Ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Hauteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et aujourd'hui, épisode 5, aujourd'hui on va essayer de capturer le... pas l'obélisque, mais vous m'avez compris, avoir le nouveau pouvoir. What? Ok. Trop tard. J'aurai pas l'autre. Donc ouais, là-bas il y avait un monstre, je l'ai zappé un peu. Ok, on va aller capturer ceci. Ça j'avais pas vu, c'était quoi? Fleur bombe. Ok. Intéressant. En dessous c'est le vide, ok, c'est sympa, c'est accueillant, c'est nickel. De l'ombre brute, 4 de puissance, ok. Amalgame. Je sais pas encore c'est quoi les puissances, peut-être les dégâts. Hein. Ou c'est la rareté, enfin pas la rareté, mais. Ah! Ah! Ça me dégoûte. Ok, je l'ai eu. De l'iclic. Ah, ça me dégoûte, c'est dégueulasse le truc. En plus, c'est un... Ça doit bouffer des armes là. Je crois que j'ai utilisé au moins la moitié de la Dura. Bon, après c'est pas pire que certains mobs, mais quand même c'est consistant, on va dire. Il a pas mal de PV. Oh purée. Allez, monte ta tête. Ok. Désolé si des fois je coupe, mais c'est que j'ai des bugs. Lance-flamme. Oh, trop bien. Ah ouais, lance-flamme. Bouclier foudroyant. Ah non, ça c'est... Ah mais si, c'est le lance-flamme. Un bouclier lance-flamme. Si ça c'est pas beau, oh, ça ouais, ça nous ouvre des portes de fou. Regardez. Et en fait ça, en plus c'est illimité, genre c'est juste du feu quoi. Enfin c'est juste de l'énergie. De dire que là j'ai besoin de, bah peut-être ça utilise un peu le bouclier, je sais pas. Ça faut voir, mais sinon ça reste. Hein. Non, le feu contre le... Ok. Ok, c'est pour savoir. On fait des tests, c'est normal. Hop. Ok. Le truc, il est où? Il est pas là-bas. Il est difficile de... Oh, rendu glissant par la pluie ou la glace. Comment je vais faire? Oh, je dois faire le tour. Ah, quoique, peut-être en haut, j'ai un petit truc, genre... Un truc pour monter ou je sais pas.
Ah oui, ça fait plus de dégâts, ok. Ouais, mais là, je suis en hauteur. Comment je fais? J'ai fait exprès de monter pour redescendre. Ah, peut-être, hein. En tout cas, il y a un chemin par là. Et on peut pas grimper vraiment, donc en vrai. Je pense que c'est bien par là. On verra, hein. Ah, quoique. Je crois pas en fait. Putain, c'est trop bien le lance-flamme par contre. Ok. Il y a des tours bizarres. Nickel. Yahoo! Me suis trompé. Purée. Bon, Kire, on se retrouve donc quelques minutes plus tard. J'ai donc relancé. J'ai rechargé et donc on est en arrière. Et en fait, la technique c'est de grimper sur. Oula, pourquoi j'ai débugué comme ça? Sur les cornes, enfin les racines, je sais pas c'est quoi. Les racines, ouais. Du coup, le Korogu là c'est mort et tout, genre tant pis. Attendez. Je suis encore bloqué. Ah non, c'est là. Ouf. Au pire, j'irai tout à l'heure quand je descendrai. Ok. Allez. Ah. Te voilà, ta main, oui, bon, on a compris. Qu'est-ce que c'est un truc avec la glace, c'est sûr. Infiltration, ce pouvoir permet de sauter la verticale, à traverser la matière solide au-dessus.
Ok donc. Il est un peu bugué l'icône. Ok, l'arc golem. Ah, cette musique, ce son. Mais du coup, ça fait plaisir que. Hop. On va prendre ça. Que j'ai fini juste avant. Ouais, quelques mois avant. Le Zelda Breath of the Wild. C'est-à-dire en gros il veut faire de l'infiltration quoi. Franchement, c'est fort.